un poitou très noir, voilà, très sale, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, en moins de quelques minutes, beaucoup de drague. Lolo, est-ce qu'on ne peut pas goûter un peu à ton poitou et autres? Est-ce que tu es sûr que c'est ton poitou qu'on a vu? J'ai dit bon. On dirait que les gens des réseaux sociaux ne savent pas à qui ils s'adressent. Vous vous adressez à Lolo Beauté. Celle-là même qui écarte ses jambes sur les réseaux sociaux. Et puis ça ne chauffe pas. Je savais que vous allez me rendre star. On va oublier Seri Di et sa femme. Parce que j'aime pas trop qu'on parle d'eux. J'aime quand les caméras se posent sur mon Lolo Beauté. Et Dieu a fait que les caméras se sont posées sur mon poitou. Le poitou le plus noir de la toile. Et si on en parlait du poitou noir, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous montrer la vidéo du poitou de Lolo Beauté sur Internet. Et ensuite, on revient. On regarde la vidéo. J'espère qu'ils n'ont pas fait sauter ma monétisation. On regarde la vidéo du direct de Lolo Beauté. Voilà. Voilà Lolo Beauté. Voilà Lolo Beauté. Aïe. Voilà Lolo Beauté. Où on est en train de m'épiler. Voilà le poitou noir de Lolo Beauté. Qu'on vient de voir. Non, je reprends, c'est trop facile. Adama, pour une fois que la Starmania vient me trouver. On regarde encore. Désolé pour vos hommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de frappage d'Aoko. Pourquoi ils ont mis les écritures dessus, mais... Voilà la vidéo en question. Ça, c'est ma cousine. Regardez bien. Et voilà le poitou noir de Lolo Beauté. Qu'on a bien vu. Ok, je reviens. Tranquille. Vous êtes sans doute fois oublié. Vous avez sans doute fois oublié que je suis Lolo Beauté. Celle-là qui crée le buzz. C'est moi Lolo Beauté. Effectivement, c'est le poitou de Lolo Beauté, bien gros, charnu comme ma bouche. Si tu veux connaître le poitou d'une femme, regarde sa bouche. En tout cas, quand un homme rentre en moi, j'avale cet estacroy. Mon poitou est à l'image de ma bouche. Maintenant, tu peux le mettre quelque part, s'il te plaît. Voilà, excusez-moi, je dois me préparer aussi pour sortir. Tout ça, on a de la visite. Donc, regardez, 1700. Eh, Seigneur! On va oublier José, son chéri. Adama, on peut faire ça. Eh, je crée le buzz. Même si le jour on voit le trou de mon poitou, je vais venir vous dire que c'est le poitou de Lolo Beauté. Bonjour, bonne arrivée. Ok, ça c'est la vidéo qu'on a vue. Effectivement, je faisais un soin d'épilation à la cire que je vais reproduire en live devant vous. Je suis l'une des blogueuses influenceuses qui se met toujours en maillot de bain et puis je carte mes jambes. Ça chauffe pas. Une femme propre, elle doit prendre soin de ses poils. C'est très important. Et je suis allée enlever les grains de petits poils qui me gênaient. Dans l'institut de ma soeur que je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Alors, il paraît que le poitou de Lolo Beauté est noir, est sale. Oui, tu peux venir. Je fais un live encore. Et j'enlève. Je vis en Europe, hein. J'ai dit, j'enlève tout. Ne voyez pas l'ombre, hein. Et la scène qui s'est passée, je vais reproduire. Vous allez voir le poitou de Lolo Beauté. Parce que quand j'ai venu dire non, c'est la scie,
Les gens vont dire non, Lolo Beauté, c'est les aléas du direct. Si on voit un peu les petites lèvres de Lolo Beauté, mon frère, j'ai fait 5 enfants. Je suis habitué que les gens regardent mon poitou. C'est pas de ma faute. Voilà le soin. Ils vont dire que j'ai mis fond de teint. Je casse. On nettoie. Très clair. Nettoie encore. Voilà ça, hein. On dit c'est noir, hein. Mais la cire, ce que vous avez vu dans la vidéo, non, le poitou de Lolo Beauté est noir, là. C'est que de la cire. Voilà, là. Mais la cire. Voilà ça, hein. J'ai dit, moi, Lolo Beauté, vous faites travailler. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Non, mets ça bien là. Pour qu'on voie même que ça devient noir. Voilà. Ça, c'est la scie. Vous voyez comment c'est noir. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Vous êtes en train de crier. Non, mais encore ici. Le poitou de Lolo Beauté est noir. Oh, le poitou de Lolo Beauté est noir. Voilà, ça, je suis en train de reproduire en direct devant vous. Vous parlez à quelqu'un qui est pété dans la tête. Mais, ma chérie, il n'y a pas poil. Je suis propre. Mais, c'est maman de quelqu'un de 5 enfants qui est en train de vous parler. Et vous allez me rendre star encore plus. Oui, ça brûle un peu. Et la scie, c'est quelque chose qui est un peu chaud. Quand on met sur toi, ça te brûle. Donc, par inattention, j'ai bougé, comment on appelle ça, la serviette qui était sur moi. Sinon, ce n'est pas film porno que j'ai fait. Voilà ce que vous avez vu. Dans le direct, vous êtes en train de crier. Oh, le poitou de Lolo Beauté est noir. C'est pas même noir là qu'elle a. C'est pas même noir là qu'elle a. Maintenant, si vous avez vu les quelques petits lèvres de Lolo Beauté avec la scie là-dessus, là. Bon, ça fait quoi? Enlève maintenant la scie. Voilà, voilà comment on enlève. Non, laisse, oh, mais j'ai enlevé. Voilà le corps de Lolo. Voilà. Voilà le corps de Lolo Beauté. Au lieu d'aller chercher vidéo pour frapper à Oro là, demandez-moi, je vais vous montrer. Voilà le poitou de Lolo Beauté. Adamant. Quand on dit jolie femme là, c'est moi Lolo Beauté. Ça chauffe pas. Tranquille. Quand on dit jolie femme, voilà ça devant vous ici. Je n'ai honte de rien. Parce que je suis propre. Et je suis belle pour mettre dessus encore. Démonstration de force. Je contrôle les réseaux sociaux. Moi, Lolo Beauté seul. Je contrôle les réseaux sociaux. C'est moi, Lolo Beauté, qui fait le son. Je suis belle, mes amis. C'est pas un débat. Malgré mes 5 enfants, je peux me mettre nue devant un garçon. Écarter sur les jambes, c'est le corps que Dieu m'a donné. Il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas de rien. C'est femme qui est en train de vous parler. Vous pensez que vous parlez à qui? Que c'est la Lolo Beauté d'avant. Que oui, on veut chercher beurre ciel. Ah oui, on va capturer. Si vous voyez mon con masturber, vous voyez ça. Bah, seul mon chéri peut y pénétrer. C'est Lolo Beauté qui dit ça. Si vous voyez le poitou, les lèvres de Lolo Beauté dehors, il a dit gâter le coin ça. Parce que pour y pénétrer ici, là, il faut que je t'aime. C'est pas n'importe quel garçon qui rentre dans Lolo Beauté. Voilà le live que j'ai fait devant vous. Il n'y a pas fit. On m'a nettoyé devant vous. Voilà le corps de Lolo Beauté. Oh oui, Lolo Beauté, ici là, c'est noir. Ici là, voilà, voilà ça. Voilà le poitou de Lolo Beauté. Il n'y a pas de tâche. Je suis propre. Il n'y a pas blogueur qui peut faire ça, ce que je fais là. Il n'y en a pas à votre santé. Maman, depuis 1 mois, je cherche 3000 personnes en direct sur mon live, je ne gagne pas. Vous allez me rendre star. C'est de ça qu'il s'agit. Si ces garçons dragueurs, il y en a. Voilà femme qui a fait 5 enfants. Il a dit tout est propre sur elle. Je suis le genre d'américaine. Quand il dégaine devant un garçon, tu bandes. Ce n'est pas un débat. C'est la forme et le corps que Dieu m'a donné.
Moi, ne monte pas sur moi. C'est moi qui monte et chauffe les garçons. C'est de ça qu'il s'agit. T'as capté ou pas? Oh non, je vois des personnes envoyer une vidéo. Oui, voilà le pétou de Lolo Beauté. Voilà le pétou de Lolo Beauté. Voilà le pétou de Lolo Beauté en direct devant vous. Prenez. Faites les captures. Voilà le pétou de Lolo Beauté. Voilà ça. Prenez. Adam, vous pensez que vous parlez à qui? Vous pensez que vous parlez, il y a un gros cœur. Quand on dit Dieu a donné cœur à femme, c'est moi. Je contrôle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est mon champ. Voilà pourquoi quand je suis quelque part, on m'appelle dirigeante. Contrôle. Je contrôle. C'est moi Lolo Beauté. J'ai mes beaux parents sur internet, mais ils savent que moi, je suis pété dans la tête. Est-ce que vous avez capté ou pas? Je vois des personnes aller faire les captures d'écran ou aller mettre sur la page de certains artistes. Ou voilà le pétou de Lolo Beauté. Voilà le pétou de Lolo Beauté. Il chie sur vous. Voilà la forme qui est là. Voilà le corps qui est là. Il a fait la démonstration devant vous. Vous allez dire quoi? Quand le pétou de Lolo Beauté est en train de se promener. Il a dit voilà le pétou là maintenant, prenez. Voilà ça. Il a dit prenez. Il dit qu'en fait c'est sorti. Vous pensez que vous parlez à qui? Vous parlez à la Daishikan des réseaux sociaux. Hé, je maîtrise les réseaux sociaux. J'ai fait une épilation. Si la cime a brûlé et qu'il y a déjà mon frère, masturbe-toi avec ça. C'est les aléas du direct. Tranquille. Vous pensez que j'ai changé? Je n'ai pas changé, mais je suis juste à s'agir. Parce qu'à la force des choses, il faut s'agir. C'est la publicité de ma cousine à Bordeaux que je suis venue faire. Maintenant, s'il y a eu un aléa, non, le côté ton pétou, il est noir. On dirait que les produits, là, ça ne rentre pas là-bas. Ma chérie, maintenant, je te montre mon pétou, maintenant, en direct, maintenant, tu trembles. Maman, tu trembles si pourquoi? Tu trembles si pourquoi? Arrivé un moment donné, arrêtez. Sinon, il y a Mougou, vos chéris. Parce que plus vous partagez, vous taguez les gens, plus les gens vont aimer mon corps. Je vous le dis en toute sincérité, sans faux fuyant. Sans faux fuyant, il y a le pétou de la gloire. Je suis propre, une femme doit être propre, de la tête jusqu'aux pieds. C'est ça qui fait la vertu d'une femme. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la scie parce que vous êtes pauvre, ce n'est pas de ma faute. Une femme, ça doit s'épiler le maillot avec des bons produits. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Donc allez-y, dis à tous ceux qui capturent les écrans. Ils n'ont qu'à venir bien capturer. Maman, attendez. J'ai déjà conseillé, puis je vais vous montrer. Il dit, regardez bien. Voilà le pétou de Lolo Beauté. Là, tu peux trouver femme propre que moi. Il n'y en a pas. Je ne suis pas vos petites minettes là, hein, qui se promènent et puis elles ont honte quand un garçon dit déshabille-toi. Hey, il faut éteindre la lumière, il faut éteindre la lumière. Moi, on n'éteint pas la lumière, on fait ça en plein jour. Rapido, presso, débouqué, pa, et puis on se sépare. Sur ce, c'était Lolo Beauté. Et vous dire de partager encore plus le pétou de Lolo Beauté. Je vais avoir les qualités-ci des hommes et je vais faire mon tri. Au passage, j'aime les hommes grands de taille noire. Donc, que les hommes grands de taille noire rentrent dans mon inbox. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, avec le minet bien taillé, bien propre, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, girl! Il y a femme et puis il y a femme. Il y a courrier vos hommes. Il y a courrier votre âme. Mon Lolo Beauté sur la toile là. Personne ne m'effraie. Personne ne peut me faire quelque chose. Parce que je dirige les réseaux sociaux. On m'appelle contrôle. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Donc calmez-vous. Le même corps que vous avez vu là. Avec la scie, vous êtes en train de trembler là. Voilà le même corps là.
que je vous donne, avec tous les rotos, c'est l'eau de beauté qui fait le son. Tu connais pas encore. Sur ce, je vous aime bien. Je vais prendre un bon bain parce qu'on a des invités de qualité. Et j'ai un homme grand de taille noire qui m'attend là dans la cuisine. S'il vous plaît, avec tout le respect, je vous aime. N'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. Vous allez sur Play Store ou sur App Store, vous téléchargez cette application TapTapSend. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo225. Avec ce code promo, vous avez 5€ ou 10$ offerts par l'application TapTapSend. Hey, j'ai gâté vos mouvements. Désolé, je suis trop en avance que vous. C'est ça qu'on appelle femme. Sur ce, je vous aime bien. Ciao, ciao. Yo, claque un bisou.